On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour Graffiti Girl. Alors pour celles qui me suivent, vous avez pu voir que je suis retournée avec très 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 grand plaisir dans la super team de Clem. En tant qu'invitée créative cet été, donc pour les mois de juin, juillet et août. Donc merci encore à Clem et David pour cette invitation dont je suis ravie. Et avant de commencer le tuto, on va faire un mini album ensemble. Estival, je voulais vous montrer les deux nouvelles planches qui viennent de sortir. Donc la première qui s'appelle Tutti Frutti, voilà où on retrouve le cocktail, deux types de glace, une tranche de citron ou d'orange. Moi je l'ai transformé en orange selon la couleur qu'on y met, c'est tout à fait faisable. Un citron, une framboise, une fraise, une feuille de menthe, une tranche de pastèque et, et plusieurs textes. Vive l'été, vacances paradisiaques et Hello Summer. Je vais vous la sortir pour que vous puissiez voir la taille réelle de chacun des éléments, parce que c'est vrai que sur la photo, ça fait toujours un petit peu plus... Voilà, c'est beaucoup plus petit, vous verrez la différence, c'est plus petit. Donc voilà la planche en question. Je vous laisse le fond blanc en dessous, ce qu'on voit mieux. Voilà, donc les différents éléments qu'on retrouve. Est-ce que je les ai pour vous les montrer tamponnés, parce que je les ai tous faits. Peut-être que ça parle mieux de les voir en vrai. Alors, là, on a la cerise... Le citron, le cocktail, voilà, je vous les montre en vrai, c'est plus sympa, je trouve. La petite tranche de pastèque, la feuille de menthe, il m'en reste plus beaucoup, parce que j'en ai utilisé pas mal dans mon dernier projet. Donc, la feuille de menthe. Après, hop, je les pose là, comme ça, vous les voyez. On a la petite fraise, la tranche d'agrumes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur la planche? Ah oui, l'autre glace. Enfin, les glaces, je ne vous les ai pas montrées encore. La première glace. Et la deuxième, où est-ce qu'elle est? Alors là, on a la petite framboise. Je ne vous l'avais pas montrée non plus. Et la glace, la glace, la glace. Je ne trouve pas la deuxième glace. Bon, alors ça, c'est pas mal. Ah, c'est là. Voilà. Et la deuxième glace. Comme ça, ça vous permet vraiment de voir là, ce que ça donne au niveau taille, le rendu. Je n'ai pas fait les petits textes parce que je vais les tamponner directement. Donc voilà, vous les verrez sur ma créa. Et ensuite, la deuxième planche, c'est Découverte. Alors franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors les deux, franchement, c'est gros, gros coup de cœur. Mais celle-ci, j'aime beaucoup la map monde, comme ça, un peu effet origami. On a le dessus de la terre vue du dessus. Découvrir le monde, la petite étiquette Travel. Le petit ticket comme un timbre, quoi, airmail par avion. Le passeport et le mot voyage ici. Donc pareil, je vous les montre. Taille réelle. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous allez voir, je l'ai utilisé celui-ci sur une créa qui sera déjà sortie, oui, qui sera déjà publiée. Donc, vous verrez, j'ai fait un home déco avec ce cercle-là que j'ai superposé pour faire une grande map monde. Et je trouvais ça vraiment très, très joli. Je vais vous montrer le petit passeport parce que je l'ai tamponné. Le petit timbre, je l'ai vu il y a 30 secondes. Hop. Et l'étiquette travel, normalement, je l'ai faite aussi. Mais comme je m'en suis servie, est-ce que j'en ai encore C'est une bonne question. Je crois qu'il ne m'en reste plus. Ah si, elle est là, voilà. Oh, ben je l'ai perdue. Ah, là, voilà. Donc ça, c'est la petite étiquette Travel. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ma créa, parce qu'il y en a des fois qui ne regardent pas sur... Les... Non, je ne l'ai pas à portée de main. C'est pas grave, je vous aurais montré la créa que j'avais fait, mais non, vous la retrouverez sur mes réseaux. Je l'ai publiée déjà. Voilà. Donc ça, c'est la planche Découverte. Et j'ai fait un petit craquage en même temps, ou presque. J'ai craqué sur la planche tropicale qui est sortie l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, et que je n'avais pas encore acheté. Donc voilà, j'ai craqué. J'aimais beaucoup le palmier. Je vous montre taille réelle. Le palmier, il est très, très grand. Il est hyper travaillé. Je le trouve très, très beau. On a la petite mouette. On a la petite feuille de ginkgo, je pense que c'est. Une monstera qui est super belle, parce qu'elle a vraiment un travail dessus. Et une autre tranche de pastèque. Je l'ai prise parce que je trouvais que ça allait, voilà, ça complétait celle-ci, ça faisait deux formes différentes. Après, j'ai pris celle-ci qui s'appelle Grungy. J'aimais beaucoup les motifs de fond. Voilà, je vous montre d'un peu plus près les motifs de fond. Et j'aimais aussi beaucoup, voilà, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'étiquette Vacances. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup les fonds là sur d'une page avec un, voilà, un fond bleu. Ça fait les petites bulles dans l'eau. Franchement, je trouve que ça peut être très, très beau. Celui-ci aussi, il était très joli. J'aime bien la petite bouche aussi. Moi qui aime bien faire des choses girly avec mes filles. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Et le petit cœur crunch qui est très, très beau. Et on a les petites étiquettes You, Me et Important. Voilà, qui sont très sympas. Le I Love Photo, Croquer la vie sans modération et Don't Forget to Smile. Franchement, en plus, les textes, ils sont très jolis. Et en dernier, j'ai pris ce pochoir-là, donc qui est le pochoir Soleil.
que je trouvais très très beau. Je l'avais pas celui-ci. Je trouvais que pour des créas estivales, il était vraiment très très sympa. Voilà, je vous ai montré les petites nouveautés et mes petits achats. J'ai fait rouler ma petite chaise. Je voulais quand même vous montrer tamponner ce que ça rend le palmier. Voilà, une fois détouré, ça vous donne ça. Franchement, il est hyper grand. Vous voyez dans la paume de la main, il est vraiment très très grand. Un exemple de la Monstera une fois découpée. La petite étiquette vacances que je trouve trop géniale. Franchement, je l'adore. La feuille de Ginkgo. Alors moi, je vais l'utiliser comme une fleur, je pense aussi certaines fois, parce que je trouve que ça peut être très joli. Et enfin, la tranche de pastèque qui, du coup, est vraiment différente. Elle est la première. Voilà, elles n'ont pas du tout le même style. Et du coup, je trouve que ça peut être très sympa, voilà, de mettre les deux ensemble, parce que ça ne fait pas du tout le même rendu. Elles se complètent bien, je trouve, du coup, voilà. Donc voilà, comme ça, vous avez pu voir. Et Claire m'avait offert, du coup, en même temps, une planche d'étiquettes. Elle fait maintenant plein de planches d'étiquettes. J'en avais pris plusieurs aussi quand j'étais à Scrapin. Donc celle-ci est sur le thème vacances, vous avez plein de petits mots. Moi, je les ai déjà détourés, mais voilà, vous voyez tout ce que ça représente en quantité. C'est une feuille version, ça doit être un A4, je crois, ou presque. Je sais plus, j'ai un doute. Enfin, vous avez énormément de mots, elles ne sont pas excessivement chères et je trouve que vraiment c'est très sympa, surtout pour des projets de mini, etc. Ou alors pour faire plein de petites créas, vous en mettez une sur une carte, pour faire votre titre de carte, une sur une page et plein dans un mini. Voilà, vous avez vraiment de quoi faire et on a du visiter, excursion, carnet de route, croisière de rêve, une pause repos, partir à l'aventure, visiter, direction la plage, vacances en famille, notre parcours, etc. Il y a vraiment pas mal de petites choses très sympas. Moi, je vais m'en servir pour faire le mini qu'on va travailler aujourd'hui ensemble. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la structure de mon mini. Alors, j'avais envie, et ça m'est venu direct quand j'y ai pensé, à faire un mini-album en forme de valise. Alors la valise, vous la verrez quand elle sera finie, on va dire. Parce que pour l'instant, ça ne ressemble pas particulièrement à une valise. En fait, pour se faire, il va vous falloir 4 rectangles de 12 cm de largeur par 17 cm de hauteur avec les coins arrondis. Voilà, dans l'idée, c'est votre valise. Après, on va venir ajouter la petite anse et les deux petites bandes par-dessus. Vous savez, les valises, elles ont souvent les... Je pensais plus à une vieille valise, moi. Elles ont souvent une bande. Alors moi, j'ai acheté en mercerie un petit ruban de cuir. Je vais couper deux petites bandes. Voilà, que je vais coller côte à côte et ça me fera en fait la bande sur ma valise. Voilà, j'espère que vous voyez l'idée. Elles seront collées à plat, donc ça fera plus propre que là, parce que là, du coup, elles rebiquent parce qu'elles ne sont pas, elles sont pas coupées. Mais je mettrai deux bandes de ce côté et deux bandes collées de ce côté. Et dessus, j'ai récupéré des tout petits, je ne sais pas comment appeler ça, des sortes de petits rivets. J'avais ça depuis très très longtemps. Ça fait comme des mini clous en fait. C'était un petit morceau comme ça que j'avais acheté il y a hyper longtemps. C'est du plastique, mais ça fait comme des petits rivets. Donc en fait, je vais venir en disposer deux sur chacune de mes bandes de cuir pour faire les attaches. Vous savez, sur les valises, on avait l'espèce de clou qui dépassait là pour faire joli. Voilà, donc je vais en mettre un en haut, un en bas. J'arrive pas à les positionner parce que ça bouge, c'est pas plat. Voilà, ah, on va le mettre plus haut. Il y avait un endroit où ça va vouloir tenir, non? Alors vous avez compris l'idée, on aura un en haut, un en bas, voilà, positionné sur les petits rubans de cuir pour pouvoir faire l'effet des fermoirs de la valise. Hop, je repose tout ça avant de perdre mes petits rivets. Alors c'est pas super pratique à découper ce truc, mais bon, c'est pas grave. Je vais enlever parce que ça fait un peu de poussière de cuir. Donc il vous en faudra 4 comme ceci et il vous faudra un morceau de... Alors que je dise pas de bêtises, parce que j'ai pas tout noté, des fois je me fais... Mes gabarits, mais comme là l'idée elle est venue d'un coup et que j'ai voulu filmer tout de suite derrière, après j'ai commencé à découper, je me suis dit non, je vais leur filmer, c'est plus sympa. Donc il fait 5 cm la bande de large par 17 par 16 de haut. Voilà, je l'ai fait un petit peu plus court puisqu'on a les arrondis, sinon ça aurait dépassé, ça aurait pas été joli vu qu'on a arrondi, on a enlevé un petit peu de matière en haut et en bas. Donc je l'ai fait un petit peu plus petit. Et pourquoi 4? Parce que quand on va venir coller, vu que ma structure, elle va se coller à l'intérieur d'un seul côté, on va venir recouvrir avec un papier du même format à l'intérieur pour venir cacher notre tranche qui ne serait pas très jolie esthétiquement à l'intérieur. Vu que je veux travailler avec des encres, ce genre de choses, je ne veux pas avoir un rabat qui vient dépasser dans mon travail de colorisation, ça ne serait pas très joli. Donc on en aura deux de chaque côté, positionnés comme ceci, dos à dos, et qui permettront d'être la structure valise de notre mini qui sera donc dans ce sens-là. Voilà, je pense que je vais le garder dans le sens vertical.
ou horizontale. Je n'ai pas décidé encore, je vais voir par rapport à mes photos, etc. Pour l'instant, là, je vous montre uniquement la structure. Et puis, on fera peut-être un peu de déco aussi à l'intérieur. Mais pour l'instant, c'est la structure. Donc là, on a l'armature extérieure du mini-valise qui est fait. Il vous suffit de découper donc vos 4 carrés, je vous redis, de 12 par 17. On arrondit les angles. Moi, je l'ai fait avec une perfo d'angle, mais vous pouvez le faire aussi à la main. Le premier, je l'avais fait à la main, puis je me suis dit, c'est quand même plus fiable avec la perfo reliure, la perfo angle, arrondisseuse d'angle. Et donc, une tranche de, j'ai dit 5 cm, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, hein? Oui, 5 cm avec un pli à 1,5 de chaque côté. Donc, vous avez un rabat de 1,5, ça permettra qu'une fois que c'est collé à l'intérieur des deux côtés, ça se tienne bien. Et c'est du papier aquarelle que j'ai pris en 250 grammes. Je n'ai pas pris du 300 grammes parce que pour plier, je trouve que ça a du mal à prendre les plis. Ça a tendance souvent à rester ouvert, donc j'ai pris du 250 grammes. Et après, pour l'intérieur de la structure, il va vous falloir 3 morceaux. La première partie fait 30 cm de longueur par 15 de hauteur. Donc vous découpez une bande de 15 par 30 de long avec des plis tous les 10 cm. Je vais vous montrer après comment on fait pour les transformer en tags. C'est très rapide, très simple, mais je vais vous le montrer sur un papier brouillon pour que vous compreniez le système. Mais je vous donne pour l'instant les mesures. Donc 30 de long, 15 de haut, plis tous les 10 cm. Et il vous le faudra deux fois. On a deux morceaux de 15 de haut par 30 de long avec plis tous les 10 cm. Et pour faire... Pour les relier entre eux, il vous faudra un morceau de 13 cm, si j'ai pas dit de bêtises, c'est bien ça. Oui, 13 cm avec un pli à 1,5 de chaque côté du tag, enfin du rectangle au démarrage. Voilà. 13 par 15 avec pli 1,5, pli 1,5 de chaque côté. Voilà, donc là vous aurez votre structure. Ensuite, il vous suffira de venir coller comme ceci et de faire pareil. Hop, avec celui-ci. Alors, il faudra coller une fois à l'arrière, là comme ceci, et une fois à l'intérieur pour que votre album puisse se déplier complètement. Je vous montre le système. Voilà, ça se colle comme ceci, une fois à l'extérieur. Les deux à l'extérieur pour que le mini puisse se déplier et se replier sans problème. Voilà, je vais juste vous montrer comment j'ai transformé mes petits rectangles en tags. C'est oversimple, mais je préfère vous montrer comme ça, c'est plus clair. Donc là, j'ai simulé mon 30 de long par 15 de haut. En fait, c'est un A4, mais on s'en fiche. Ensuite, vous allez juste venir marquer 2 cm. C'est comme ça que moi, j'ai fait mes tags. Je me suis pas pris la... J'ai pas fait un truc compliqué. Après, vous faites à partir de votre pliure 2 cm. Et de ce côté-là, 2 cm. Hop. On refait pareil sur notre pli, 2 cm. En fait, pas des gros traits. Là, je fais des traits qui se voyaient beaucoup. Là, j'avais fait juste des micro-points pour pas que ça se voit après, ensuite. Là, on remarque à nouveau 2 cm. Ça, c'est pour les morceaux en 15 par 30. Pour l'autre, vous avez juste à marquer votre pli 1,5 et puis à refaire le même système, mais sur un plus petit morceau. Là, on remet une dernière fois nos deux. Et à nouveau, on fait 2 cm. Et... 2 cm. Et ensuite, il vous suffit de venir relier tous vos petits points que vous avez tracés. Hop, ici. Alors, mettez-vous toujours en dessous pour être sûr d'avoir bien vos 2 cm partout et que ça soit bien équilibré. Je me mets toujours 1 mm en dessous du trait que je souhaite faire. Ça permet d'être bon en général, de bien tracer droit. Hop, je refais celui-ci. Hop là, et le dernier donc qui est l'angle. Hop. Et ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et on vient découper sur nos petits traits. Alors, découpez bien sur, après le trait, pas avant. Ça vous permet de faire disparaître toute la trace du traçage. En fait, c'est ce que j'ai fait sur le mini. Alors là, c'est pour vous montrer, je m'en fiche s'il y a encore des petits restes de crayon. C'est un papier brouillon, donc c'est pas très grave. Mais quand vous le ferez, tracez bien correctement vos traits et découpez bien juste après le trait. Histoire d'avoir voilà, plus de traits qui apparaissent ou les petites marques qui est disparu. Parce que du coup, elles sont enlevées avec le papier que vous avez découpé. Et donc voilà, ça vous donne votre accordéon de tag. Voilà, c'est vraiment tout bête et tout simple. Donc là, vous avez maintenant toutes les parties du mini-album. Et je vais juste faire avec vous aussi la déco de la couverture du mini et peut-être le travail d'un des... Alors pour les tags, j'ai choisi de travailler avec la collection dans mon mini négatif. Donc c'est une collection qui est sortie
en début d'année, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Elle est sortie avant City Street. Donc, c'est une collection dans les tons de noir et blanc. Je vous la montre rapidement. Voilà. Moi, je la trouve très, très sympa, cette collection de papier. Elle est uniquement en 15-15, celle-ci. Vous savez que chez Graffiti, c'est soit 15-15, soit 30-30. Donc là, on a les petites écritures. On a les pages un peu effet cahier. La page manuscrite. Les petits fonds comme ça étoilés. On a celui-ci qui est très, très chouette, qui fait une page de manga. J'ai très, très envie de venir détourer tout l'intérieur des cases et de venir faire un petit montage avec. Ça me tente bien. Je pense que je le ferai pour une prochaine créa, parce que je trouve l'idée vraiment très sympa. Ensuite, vous avez celui-ci. Après, on avait celui-ci. Moi, il m'en reste qu'un tout petit bout parce que je m'en suis servi pour une créa. Voilà, pour faire ma page de Traveler Notebook. Après, on a celui-ci avec les appareils photos. Celui-ci avec les pages de journaux. On a des petites bulles de différentes tailles. Un autre fond noir avec du texte. Celui-ci avec les plus, les croix et les ronds. Hop. Après, on a celui-ci avec l'effet un peu illusion d'optique, comme si les cases, elles étaient en train de bouger. J'adore cet effet. On a celui-ci qui est juste magnifique avec les étoiles. Voilà, j'en avais décroché une, mais finalement, je ne l'ai pas encore utilisé. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, hop, des rectangles de 10 par 15, voilà, qui vont venir habiller mes pages. Alors après, je vais les transformer en tags hein, avec exactement le même système que ce que j'ai fait pour mes... voilà, ceux que j'ai choisis pour travailler dans mon mini. Alors oui, j'ai dit que c'était un mini estival, mais j'avais envie d'avoir, pour contrebalancer le côté très punchy des couleurs d'été, bleu, jaune, voilà, je vais partir sur du bleu, du jaune, ce genre de teinte. Peut-être un peu orangé, corail pour du coucher de soleil, je vais voir par rapport à mes photos ce qui ressortira le mieux, mais j'avais envie de contrebalancer avec des papiers en noir et blanc. Et puis voilà, on avait beaucoup de textes sur le thème de la photo, ready for summer, etc. Je trouvais que ça allait très très bien du coup avec l'été. Et en fait, je vais alterner papier à motif et page travaillée avec les encres, tout simplement dans mon petit mini. Donc voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Je vais essayer d'alterner les papiers noirs et les papiers blancs pour qu'il n'y ait pas trop de noir non plus les uns à côté des autres. Donc je vais alterner et je vais travailler les deux côtés du mini. Et j'ai gardé toutes les chutes, parce que du coup, quand vous coupez votre page 15-15, il vous reste une petite bande de 5 cm. Je me suis dit que j'allais tester déjà de mettre seulement les grands papiers. Voilà, comme ceci, pour faire mon tag d'un côté. Et je me suis dit que peut-être je pourrais... voilà, par exemple, venir travailler une partie sur certaines pages avec de l'encre. Voilà, avoir mes deux papiers à motif. Et puis, travailler une partie comme ça, un côté avec mes encres, mes couleurs. Et venir faire monter ma déco par-dessus, faire un montage déco et photo ou juste déco, je ne sais pas encore, par-dessus. Voilà, quelque chose dans cet esprit-là. Où sont mes tamponnages? Voilà. Faire un petit montage, par exemple, voilà, avec la petite maison de plage qui est une planche d'une ancienne collection. Ma petite planche de surf comme ça par derrière. Alors, en ayant mis de la couleur, bien évidemment, on peut la tamponner en couleur. Voilà, peut-être le petit cocktail. Alors, ça cache le mot plage, ça ne va pas. Voilà, peut-être comme ça par-dessous. Voilà, faire un petit montage et puis travailler. J'avais dans l'idée de plutôt travailler les parties papier avec mes photos. Et sur les parties comme ça, faire un travail avec des encres, ce genre de choses. Et venir par-dessus, voilà, faire mes petites colorisations de tampons. Voilà, comme ça, vous savez ce que je vais mettre à l'intérieur. Pour l'instant, je n'ai pas décidé si j'utilisais les bandes. Je vais voir au rendu ce que ça donne à la fin. Je vais déjà découper tous mes papiers au format tag en enlevant mes 2 cm de chaque côté. Deux, alors, ça passera pareil. Hein. Vous allez bien marquer 2 ici, 2 là, 2 là et 2 là. Et vous coupez en travers pour avoir vos tags. Donc voilà pour l'idée de la déco, parce que ça sera une vidéo, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous présenter le mini terminé. Et puis là, on va faire ensemble la couverture de notre mini. Donc pour la couverture, on a besoin de prendre un de nos rectangles en 12 par 17. Donc il était en sens là en 12 par 17. Il faut juste que je définisse dans quel sens je vais le mettre. J'ai plus envie de le mettre à la verticale. Je ne sais pas pourquoi, j'espère que du coup ça fera bien le rendu valise au final. Si je mets mes petites bandes comme ça, si ça peut faire la valise, peu importe dans le sens où elle est, je trouve. Et après, avec le petit cordon de cuir, je vais aussi venir faire, voilà, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, voilà, on aura la petite poignée de la valise qui sera collée comme ça sur le côté et qui du coup va être prise entre les deux parties. Voilà, il faut vraiment que vous ayez les deux papiers superposés dans ce but-là. C'est de pouvoir glisser votre anse, peu importe avec quoi vous la faites. Vous pouvez faire aussi avec, par exemple, si vous avez des sacs en papier, comment ça s'appelle, en papier craft qu'on achète, qu'on trouve maintenant en grande surface, plus que les sacs plastiques, on trouve des sacs en papier. Vous pouvez récupérer une des anses et l'utiliser pour faire votre poignée. Ça marche très très bien aussi, ça fera le job pareil. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la déco.
Alors, on va attaquer ensemble la couverture de notre mini-album. Je vais le travailler, comme je l'avais dit, dans le sens vertical. J'y ai réfléchi un petit peu le temps de filmer la suite. Et j'ai vraiment envie de travailler dans ce sens-là, donc je vais rester sur mon idée de départ. Pour travailler mon fond, pour les tâches que je vais venir réaliser dessus, je vais utiliser les feutres écolines. Donc celui-ci, c'est le bleu de céleste, c'est le 578. J'aime bien les écolines, je trouve que c'est sympa. Ça fait un peu comme quand on ferait avec nos encres, mais je trouve que voilà, le rendu couleur est plus pep, je trouve, sur beaucoup de feutres, comparé aux encres classiques. Je vais venir pchiter de l'eau. Alors c'est comme si vous aviez mis votre encre en pâte sur votre plastique, hein, ça revient exactement au même. Voilà, hop. Je vais venir prendre mon petit plastique et je vais venir appliquer l'encre, voilà, de manière pas réfléchie ou quoi que ce soit. Je viens poser mon sac plastique, mon petit sachet plastique dessus. Hop, alors si j'ai envie, je vais étaler un petit peu pour que ça se rejoigne à des endroits. Voilà, faire des petites gouttes. Hop! J'ai pas pensé à prendre du sopalin et autres, bien évidemment. Hop, une petite lingette. Et on va faire du sopalin. J'ai préparé deux feuilles qu'après pour ajouter les autres choses dessus. J'aurais besoin de sopalin aussi. Je vais tout de suite essuyer tout ce qu'il y a sur la table pour ne pas salir de partout. Hop. Là, ça pompe un maximum comme ça. Et après, je l'essuie pour le nettoyer. Je vais mettre un petit coup de lingette aussi sur la table. L'avantage, c'est qu'elle se nettoie hyper facilement, cette petite table. Hop. Donc là, j'ai bien essuyé. Alors, mon papier, il gondole un peu. Hein. Le Painton, c'est toujours le cas. C'est comme ça. Je vais prendre l'autre feuille que j'avais découpée juste pour venir mettre en dessous. Parce que comme c'est une table en métal, ça chauffe, je trouve, dessus. Et sinon, le papier, l'humidité, elle va ressortir de l'autre côté. Et le papier, du coup, il va gondoler vraiment beaucoup. Moi, ce que je fais, c'est que celui-ci, moi, j'aime bien utiliser le 250 grammes. Je trouve que pour les détourages, ce genre de choses, c'est l'idéal. Du coup, quand c'est trop épais, c'est parfois compliqué. Donc, j'utilise du 250 quasiment pour tout. Hein. Alors, essentiellement pour mes tamponnages, pour mes fonds, des fois, je prends du 300. Mais celui-ci a l'avantage d'être bien blanc comparé à beaucoup de 300 que j'avais essayé. Souvent, ils sont un peu un effet beige ou jaune nâtre, les papiers. Et ça, j'aime pas du tout. Alors là, je sèche. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai fait des gouttes. Et j'ai vraiment envie de les garder. Donc, je prends le temps de bien sécher là où il y avait un excédent d'eau. Pour avoir cet effet un petit peu diffus de gouttes. Là, il y a beaucoup d'eau. Je sais pas si je vais arriver à y sécher complètement. Je vais venir faire mon petit système de triche. Quand j'ai mis un peu d'eau à un endroit et que je vais en enlever un tout petit peu, je me fais un petit goupillon comme ça et hop, je viens prélever une dose infime d'eau, juste histoire que ça puisse sécher plus facilement, sans vous faire de marques ou de traces à l'intérieur de votre goutte, quoi. Ça vous garderait quand même l'effet que vous obtenez avec le fait qu'il y ait eu plus d'eau à certains endroits. Hop là. Hop. Alors, je vais juste... Ah là, elle est brûlante. Je vais juste essayer de le remettre un petit peu plat parce que là, il a vraiment gondolé. Il veut pas. Un petit peu. Hop. Bon, alors il a beaucoup gondolé. Après, il va être collé dos à dos avec un autre. Alors, vous inquiétez pas. Et puis, mis sous presse un petit moment. Ça va revenir sans problème. Donc là, on a la première partie de notre valise. Je vais regarder à quelle hauteur je veux mettre mes petits liens de cuir pour faire mon effet de valise. Je vais les mettre à peu près à cette hauteur-là. Hop. Donc, je vais venir mesurer pour me faire une petite marque pour quand après, je vais venir travailler ma déco, je sache que c'est... Ouais, c'est ce que je pensais à peu près... 2,5 ou 3, je mets 2,5, ça serait pas mal, je pense, pour le premier, vu qu'elles sont deux. Ouais, c'est ça. Donc je vais partir sur 2,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop, mon petit tapis millimétré, et je vais me tracer une petite bande à 2,5 cm de chaque côté, très légère, au crayon de papier, pour que je sache où seront positionnés mes différents éléments. Donc 1, 2 et demi.
Ça sera de toute façon caché par nos petites bandes de cuir, donc c'est pas grave du tout. Et là, 1, 2, 2 et demi. Voilà. Hop, j'essaie de pas bouger. Hop. Donc ça nous permet de délimiter où vont être placés nos petits liens de cuir, votre ruban, ce que vous voulez. Après, vraiment, libre à vous d'utiliser ce que vous avez à la maison, en fait. Donc voilà. Ensuite, je me suis sorti un petit pochoir. Alors, je ne sais plus son nom, celui-ci. Maintenant, j'essaie de bien garder le packaging pour avoir le nom, mais celui-ci, celui des bulles, je ne me rappelle plus son nom. J'ai sorti celui-ci parce que j'aime beaucoup le rendu. Ça fait un peu, je trouve, voilà, ça peut faire un effet de fond marin, ce genre de choses. Donc, c'est la dernière collection, la box. Donc, la box Pentatitude. Et j'ai aussi utilisé celui-ci que je vous ai présenté en début de vidéo. Je pense que je vais utiliser les petites bulles. Voilà, peut-être celui-ci à des endroits. Je les trouve très sympas, ceux-là. Donc, je vais commencer par travailler avec le pochoir. Alors, je vais faire un test d'encre. Je pense utiliser celle-ci, la Peacock Feather ou la Salty Océan. Elle est où d'ailleurs? Salty Océan, là. Je vais tester les deux pour voir laquelle se rapproche le plus de la couleur de mon fond. Il y en a une qui est plus turquoise et l'autre qui est plus bleue. La Salty Océan, j'ai un gros doute. À mon avis, elle va être trop bleue. Mais je vais quand même tester pour voir. Hop, une petite brosse. Hop là. Voilà, on va tester sur le brouillon à côté pour voir la couleur qui va ressortir le mieux. Celle-ci, j'ai peur que ça soit vraiment trop turquoise. Ouais, on va être trop vert. Alors, je vais nettoyer la brossette. Je vais tester la bleue. J'ai peur qu'elle soit trop bleue, elle, du coup. Peut-être la Broken China. Je vais essayer les trois. Ouais, celle-ci, elle va être beaucoup plus bleutée. Ah, quoi que ça peut être pas mal, celle-là. Je vais tester quand même la Broken China. Hop. Qui va être, je trouve, un peu entre les deux en termes de couleur. Hop. Ça, ça va me permettre de voir vraiment celle qui, pour moi, rend le mieux en termes de couleur. Alors, elle fait vraiment verte, elle. Je ne m'attendais pas du tout à ce rendu couleur. Elle est trop, trop verte. Donc, je vais partir sur la Mermaid Lagoon. Je trouve que c'est celle qui va... la Mermaid Lagoon. Là, ah, j'ai la Mermaid Lagoon aussi. Ah, peut-être. Ouais, on est peut-être dans un bleu qui irait encore mieux. Je vais nettoyer la brossette parce que je ne veux pas avoir ce résidu de vert qu'avait la Broken. On va tester la Mermaid Lagoon pour voir. Je les aurais toutes testées comme ça. J'aurais un nuancier de mes bleus. Enfin, je me suis fait des nuanciers de mes Distress, mais je ne pense jamais à les vérifier. Ouais, c'est plus celui-là. Et ben voilà, j'ai trouvé le bon. Donc, ça sera la Distress en oxyde, la Mermaid Lagoon que je vais prendre. Hop, d'habitude, je fais mes tests avant de vous montrer, mais là, j'ai pas pensé à faire mes petits tests. Dans ma tête, j'étais partie sur la Salty Océan, je ne sais pas pourquoi. Et puis, quand j'ai sorti la Peacock, je me suis dit, ah, peut-être, mais finalement, non, elle est vraiment... elle a vraiment un rendu un peu verdâtre qui ira pas du tout avec. Hop. Alors, je vérifie bien que la brosse est vraiment nettoyée à fond. Vous voyez, j'ai encore du vert qui ressort. Et ça, je n'en veux pas du tout sur mon fond. Alors, les brossettes, ça fait longtemps que je les ai. À force, elles commencent à être un petit peu abîmées. Et du coup, bah, c'est pas toujours parfait. Donc, j'ai dit la Mermaid. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, je viens prélever. Je dégorge un petit peu parce que je ne veux pas que ce soit trop foncé non plus. Et je vais venir travailler mes petites bulles. Alors, si je veux avoir plus de teintes, je viens rappuyer un petit peu. Hop. Donc, on les voit, mais elles restent très légères. J'espère que vous les verrez bien quand même à l'image. Je veux pas que ça ressorte de trop, parce qu'après, comme je vais venir travailler avec des tampons de fond, j'ai quand même envie qu'on voie le reste du travail, que ça soit pas tout caché par, par l'ancrage. Là, je les ai fait peut-être un peu plus foncé. Celle-ci, je vais peut-être la repasser un peu. Je la trouve trop claire. Voilà. Voilà. Qu'il y en ait qui se voient quand même un petit peu plus. Et d'autres beaucoup moins. Hop. Ouais, c'est mieux. Après, je vais venir en mettre un petit peu par ici. Hop là. Et une ou deux par là. Hop.
Donc j'en ai des plus foncées, des plus légères, c'est exactement ce que je voulais. Ce qui est bien avec les oxydes, c'est qu'on peut vraiment aller dans la nuance, je trouve. On n'est pas obligé de tout faire en foncé, on peut vraiment aller dans des dégradés d'une même couleur, et ça, c'est vraiment agréable, je trouve, à travailler. Voilà. Et je vais en rajouter une petite part ici, parce que ça manque, je trouve. Hop, en discrète. Et je vais venir en rajouter quelques-unes vers le haut. Alors, je veux que des petites, par contre. Hop, et la grosse ici. Voilà. Donc, voilà pour la partie pochoir. Hop, je vais venir nettoyer ma brosse, parce que j'en ai plus besoin. Donc là, on a la première, les deux premières étapes qui sont faites, l'encre et le fond. Je vais venir nettoyer mon pochoir tout de suite. J'aime pas les laisser, même si ça part très bien. Après, si vous avez oublié de le nettoyer, vous le passez sous l'eau ou frottez avec les doigts, ça part sans problème la distress. Et moi, j'aime bien que... Je suis maniaque, voilà, c'est comme ça. J'aime que quand je passe d'une étape à une autre, j'aime bien nettoyer entre les deux. Hop là, donc là, on est bon pour ça. Je vais juste donner un petit coup à ma table parce que j'ai débordé un peu. Hop. Ça évite de, voilà, de faire des transferts et de salir. Et ensuite, je vais venir tester mes petits tampons. Hop. Alors, je vais les appliquer à la main. Je préfère faire comme ça. Je trouve que le rendu est plus sympa. Ouais, nickel. J'adore ce tampon. J'adore ce tampon de fond. Je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas, vous me direz si vous aimez vous ou pas, mais alors moi, je l'adore. Et je trouve que ça fait vraiment un fond marin, vous savez, un peu avec les cailloux, le sable, ce genre de choses. Je trouve que ça fait vraiment cette impression-là. Hop. Et là, je vais prendre juste des petits bouts pour venir mettre au milieu. Juste des toutes petites touches, comme ça. Ça fait comme s'il y avait un peu des galets, ce genre de choses, sur notre fond, et je trouve que ça rend super bien. Au début, je m'étais dit, oh, il est super beau, ça fait un effet un peu craquelé, vieux mur. Et en fait, je trouve que sur de l'été, il peut être très très bien utilisé comme fond marin. Je trouve que vraiment le rendu est super beau. Et donc, il est sur la planche avec la très jolie poupette, celle-ci là, qui est juste magnifique, que j'ai utilisée sur ma carte jaune. J'appelle la carte jaune, voilà, parce que j'avais travaillé avec un fond jaune ocre. Et franchement, cette poupette, elle est très très belle aussi. Elle est vraiment très très jolie. Et après, je vais venir rajouter des petites bulles. Par contre, je les aurais bien fait d'une autre couleur qui ressorte un petit peu plus. Est-ce que si je les fais avec la saletie, on va avoir une différence de teinte? Je vais tester pour voir. Ouais. Donc, je vais faire ça, des petites bulles. Alors, j'ai pas mis ma déco, hein, donc je les pose, j'en mets un peu de partout, histoire que, voilà, on les voie. Mais comme je ne sais pas exactement où sera ma déco, pour l'instant, je charge un petit peu mon fond pour que, voilà, selon ce que je vais venir mettre comme élément de déco dessus, on en voie de partout. Voilà. Et je voudrais apporter un petit peu de contraste avec un tamponnage en noir. Je vais peut-être prendre mon tampon manuscrit. Je l'aime à la planche avec juste des écritures. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, ou celui-ci de la planche esprit GG. Ah, mais je vais avoir des cercles, ça. Peut-être... Non, ça ne va pas le faire. J'adore cette planche, franchement. Elle est trop, trop belle. Ah non, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre celui-ci, peut-être, avec l'effet de grille. Je trouve qu'il fait un peu filet de pêche aussi. Ah, c'est dans ma tête peut-être, mais moi j'y vois du grillage, vous voyez les filets de pêche quoi. Alors, je vais l'ancrer un petit peu, je vais tester sur mes... Ouais, si, j'adore. Voilà. On va ajouter juste un petit truc ici, ça manquait. Voilà, juste ça, pas besoin de plus de noir parce qu'après, voilà, je trouve que ça sera moins joli. Hop,
Hop là. C'était pour aller avec, voilà, il y a le petit cordon noir. Je trouve qu'avec les petits rappels de noir, ça fera encore plus joli. Ouais, nickel. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Alors, celle-ci, elle s'appelle... je sais plus son nom. Est-ce que je laisse son nom? Ah oui, c'est Distress, le nom de cette planche-là. C'est une de celles que j'avais pris à Scrapin et que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai fait du packaging de celle-ci? Ah oui, elle, je ne l'ai pas encore rangée dans son packaging futur. Donc voilà pour la couverture de notre petit mini-album pour le fond. Je vais juste prendre mon sopalin. Je vais venir faire comme ça pour que les encres, quand je vais tripoter avec mes doigts, je salisse pas trop le reste. Bon, ça va, il n'y a pas de transfert, c'est nickel, c'est sec. Et je vais venir faire mon petit montage, sachant que j'aurai mes deux petites bandes. Il faut que je regarde, je voulais absolument mettre celui-ci. La petite compo que je vous ai fait tout à l'heure, hein, c'est un peu ce que j'avais dans l'idée pour ma couverture. Voilà, peut-être un petit cocktail comme ça. Bon, il est trop gros. Peut-être comme ça. Non, ça va cacher le texte, c'est dommage. Celui-ci, peut-être, du coup, serait mieux. Ouais, nickel. Je pense que je vais mettre un des ronds, comme ça, de ce côté-là. Hop. Et puis, je vais venir glisser une petite glace. Et je veux mettre le mot « vacances ». Ah non, c'était dans l'autre truc. dans les nouveaux que j'ai pris, hop, je voulais mettre le mot « vacances » comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais décidé. Et il me faut une fleur. Je vais mettre une grosse fleur, en fait, en dessous. Peut-être celle-ci qui fait très tropicale. Ouais, nickel. Voilà. Voilà, je vais partir là-dessus pour ma déco. Comme ça, je vous ai montré ce que j'allais faire. Je ne vais pas vous faire toute la colorisation en direct parce que, voilà, pour... y a rien, je ne fais rien d'extraordinaire. Je vais peut-être vous montrer juste sur un des embellissements comment moi je travaille parce que vraiment, je ne fais pas quelque chose de... Je ne suis pas aquarelliste, quoi. Je ne fais pas de choses extraordinaires. Je prends un petit récipient avec de l'eau, un pinceau. Hop, mes pinceaux, ils sont là et là. Hop. Il me faut de l'encre. Hop, je vais prendre celle-ci. Donc, c'est la Rip Persimmon que je voulais utiliser. C'est un orange, pas rouge, mais un orange qui est assez soutenu, assez vif et que j'aime beaucoup. Et ensuite, donc, je vais venir prendre ma petite fleur, mon pinceau. Hop là. Un petit sopalin pour enlever l'excédent d'eau, des fois, sur le pinceau. Il y a trop d'eau. Et après, en général, je viens travailler. Ouais, j'ai même beaucoup, beaucoup trop d'eau. Je viens mettre de l'encre sur le tour. Je remouille un peu et je tire ma couleur, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas aquarelliste du tout. Je fais à ma sauce, à moi. Mais j'aime bien, je trouve que ça fait ressortir le contour de la feuille. On pourrait aussi le faire par l'intérieur, hein, ça marche aussi, mais... Moi, j'aime bien faire apporter la couleur plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hop. Et après, je viens l'étirer. Il faut bien repasser pour pas que vous ayez trop de traces. Là, j'ai attendu un peu, alors ça m'a fait un petit peu des marques. Et ensuite, je vais venir travailler avec une autre couleur pour faire les petits à l'intérieur. Je vais prendre de l'oxyde. Hop. C'est la mustard seed, j'adore cette couleur aussi. Et je vais venir faire les centres des fleurs. Ah, les espèces de petits... Je l'aime bien celle-ci, la mustard, parce qu'on a un côté un peu ocre. Alors j'ai pris de l'oxyde, parce que comme j'ai pas... Voilà, je vous montre, j'ai pas été assez précautionneuse. J'ai dépassé un tout petit peu sur mes pistils. Et l'avantage, c'est que si vous prenez de l'oxyde... alors moi, j'aime mieux faire mes colorisations avec la Distress classique. Mais quand vous prenez de l'oxyde, ça va, comme elle a un côté mat et qu'elle est beaucoup plus couvante, je trouve, et ben du coup, vous pouvez repasser par-dessus sans problème. Vous aurez un rendu qui sera joli. Voilà, ça va venir complètement masquer. Là, vous auriez pu dépasser un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, la petite fleur de plus près. Et donc, il va venir se glisser ensuite ici. Donc voilà, vous avez tout vu. C'était un petit tour très simple et très rapide, mais voilà, j'avais envie de vous le montrer parce que cette idée de valise me plaisait beaucoup.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller donc mes petits rubans. Où sont mes petits cordons de cuir? Voilà, ici. Je vais vous montrer ce que ça va donner parce que visuellement, ça ne vous ressemble peut-être pas à une valise du tout. Donc, je vais mesurer la longueur qu'il me faut pour pouvoir les positionner dessus et que vous puissiez vraiment voir le rendu. Je ne vais pas les coller tout de suite, moi, parce que je veux mettre sous presse. Donc, pour pouvoir vous montrer quand même à quoi ça va ressembler, je vais venir couper mes bandes. Hop. Et donc là, je reprends la même longueur. Hop. Ensuite, je vais venir couper en deux. Voilà, faut pas que je me loupe parce que je les ai fait un tout petit peu plus long, mais pas beaucoup. Si je me rate, ils vont pas être à la bonne longueur. Hop là. Hop. Et donc, ça fera ceci. Donc après, vous venez couper, coller vos deux petites bandes comme ceci, en haut et en bas. Hop. Vos deux petits rivets et vous aurez votre petite valise. Voilà. Je vais faire ça poignée aussi. Hop. En termes de longueur, j'ai pas besoin de beaucoup. Et donc, on aura sa petite poignée à la valise qui sera ici, comme ceci. Voilà, alors ça bouge, c'est pas terrible pour vous montrer, mais tant que je l'ai pas mis sous presse, je peux pas vous montrer le rendu. Mais de toute façon, vous verrez la version finale dans la vidéo de présentation. Voilà, voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!